Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat avant Mordechai ben Yitzhak, Vefani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther, Rachel, Rachel, Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Ktuvot, Perek He, Mishnah He. Elo Melachot, Shaisha, Osa, Le Baala, Tochenet, Ve Ofa, Umechabeset, Umevachelet, Umenika, Et Bena, Matsaat Lo, Amita, Ve Osa, Bat Semer. Yichnissa Lo Shifra Achat, לא תוכנת ולא אופה ולא מחבסת. שתיים, אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה. שלוש, אינה מצאת לו במיטה ואינה עושה בצמר. ארבע, יושבת בקתדרה. אבליעזר אומר אפילו הכניסה לו 100 שפחות כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום. Mishnah très concrète. Eilu melachot shaisha osa le bala. Tels sont les travaux que la femme a le devoir de faire pour son mari. On a déjà expliqué que quand on se marie, il y a des engagements du mari pour la femme et de la femme pour le mari. L'homme, essentiellement, on a déjà évoqué quelques. Ils sont engagés dans toutes sortes de choses. La financer dans toutes sortes de domaines, lui donner à manger, la vêtir, la loger. Et en cas de problème, de maladie, il doit assumer, il faut la rachat de captivité, tout ça, c'est pour les engagements de l'homme. Pour la femme, il y a là aussi quelques engagements, c'est de faire des devoirs, des travaux, qu'une femme doit faire pour son mari, qui sont tochenet, moudre du blé, faire de la farine à l'époque, avec un chaim shaliyad, comme il dit le Barthénora. Elle n'a pas l'obligation de partir au moulin et de se mettre à, comme Shimshon, à pousser tout le moulin, ouais. Mais un petit peu de moudre, un petit peu, certaines quantités, ofar. Cuire le pain, mechabeset, laver le linge, mevachelet, faire un repas, omenika et bena, elle a aussi le devoir d'allaiter son fils qu'elle va avoir avec lui. Pas un étranger, pas de. Mais en tout cas, le fils qu'elle a eu, elle a le devoir de lui donner, de l'allaiter. Elle ne peut pas le donner à une nourrice. D'accord? Elle a le devoir d'elle-même de l'allaiter. Et aussi, matzaatlo amita, elle a le devoir aussi de faire les lits. Soit, pour le moment, on parle d'une femme tout à fait normale, qui n'est pas spécialement riche, on s'est marié avec elle, cet engagement, c'est de faire tous ces travaux-là, d'accord? Et en plus de ça, j'ai envie d'un dernier, c'est Vosa Batsemer, et aussi faire un petit peu de laine pour... une petite seconde, là j'ai un problème technique. Bon, elle doit faire aussi, elle doit aussi tricoter, ok? C'est clair pour le moment? D'accord? En général, tous les travaux qu'on doit faire à la maison. Ezer Kenegdo, c'est la femme, elle a le devoir, elle gère tout le côté technique de la maison. L'homme et le mari, elle a travaillé, le devoir de partir travailler. Ouais. Le Pesukim, ils discutent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore les mêmes engagements exactement? Dans la mesure où la femme, elle participe très activement à rapporter la parnassa à la maison, surtout en Israël et surtout dans le milieu religieux, alors. C'est encore plus. Et de ce fait, Rav Ben-Tzion, il disait toujours. L'homme ne peut rien réclamer à sa femme. S'il n'apporte pas lui-même la parnassa, il ne peut rien réclamer en retour, bien évidemment. En tout cas, on reste pour le moment sur le vif du sujet. Les différents travaux que la femme doit faire pour une bonne gestion de la maison, ça implique de faire à manger avec, depuis le moment où il faut moudre le lait, faire le pain, faire un repas. Gérer la maison, ça implique faire les lits, ça implique laver le linge, ça implique tricoter aussi un petit peu. Et aussi l'histoire avec d'allaiter le fils. Ouais, c'est un certain. À l'époque, il n'y avait pas les laits maternats, mais il y avait quand même d'autres solutions. C'était tout simplement d'avoir des minikets, il y avait des nourrices. Le mot nourrice qui s'occupe du bébé, c'est parce qu'elle le nourrissait. Elle lui donnait, elle l'allaitait. D'accord? Il y avait des femmes comme ça qui étaient spécialistes pour nous donner à manger. Malgré tout, elle a l'obligation elle-même de nourrir son enfant. Un seul et pas deux. Si elle a des jumeaux. Elle peut imposer à son mari, moi j'ai le devoir de nous en manger un, le deuxième va chercher une nourrice qui va l'allaiter, moi je ne suis pas une vache. Elle peut le dire sans problème. Si elle en a deux, ça rapporte ici dans le Tifat Israël si ça vous intéresse. Ok, ça c'est pour une femme classique. Maintenant, Ichnisalo Shifrachat, si de toi elle a fait entrer en dot de mariage une servante. Plus précisément, comme dit le Barthénora, elle a fait entrer plein d'argent que le mari il peut décider de l'acheter une servante. Il s'est marié avec une fille relativement riche. Qui a fait rentrer en plus ça dans la dot de mariage, 100 000 shekels pour le bien du mari, qu'il en fasse ce qu'il veut. Ça suffit aussi de quoi acheter une servante? Eh bien,
Dans ce cas-là, on va l'alléger un petit peu de ses tâches qu'elle a à faire, parce que l'otochenet velofa velomechabeset. Elle n'a plus besoin de moudre le blé, ni de faire cuire le pain, ouais, et ni de faire à manger, oui, mais pas de faire cuire le pain. À l'époque, ouais, j'imaginais, vous savez, on avait le fourneau public, c'était toutes sortes de travaux, c'était un monde entier, quoi. Donc, velomechabeset, elle n'a pas non plus le devoir de laver le linge, pourquoi? Parce qu'elle va dire, écoute, moi, mon cher, je t'ai fait rentrer 100 000 shekels, va acheter une servante qui va m'aider à faire toutes mes tâches. J'ai pas besoin, moi, de faire toutes ces tâches-là. Par contre, les autres tâches, elle a le devoir de continuer à le faire. Qui sont, en l'occurrence, si vous faites attention, c'était les trois premiers. Tochenet, Ofa, Mechabeset, elle a pu le faire. Mais par contre, elle doit le faire. Mevachelet, Menika, Matzatlo, Amita, Veosa, Vatsemer, elle doit continuer à le faire. Maintenant, si elle a fait rentrer Shtaim, elle a fait rentrer deux servantes, elle n'a pas donné 100 000, elle a donné 200 000. Et une servante, ça coûte 100 000 pour chacune. Donc maintenant, Ena Mevachelet, Vena, Menika, et Bena. Elle n'a même plus le devoir non plus de faire cuire, de cuisiner un repas, et ni d'allaiter le petit. Elle lui dit, écoute, je t'ai fait rentrer assez d'argent, je prends une des servantes, bon, s'il faut compléter, moi, je me suis pas... J'ai fait rentrer beaucoup d'argent pour pouvoir me décharger de toutes ces charges. Ensuite, Shalosh, si elle a fait rentrer trois servantes, là, c'est 300 000. Alors quoi? Ena matzat lo amita. Elle n'aura même plus besoin de faire les lits, on va préciser dans quelques secondes un point important. Vena osa vatsener, elle n'aura même plus besoin non plus de tricoter la laine. D'accord? Maintenant, Ena matzat lo amita, en réalité, il faut préciser quelque chose d'important, c'est que parmi tous les travaux qu'une femme a le devoir de faire, elle a aussi trois travaux particuliers qui sont des dvarim shel chiba, des choses qui rapprochent le mari, que le mari, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire, c'est que sa femme qui peut lui faire. En l'occurrence, on a d'abord faire son propre lit. La femme, elle a toujours l'obligation de faire le propre lit du mari. Là encore, quand on va essayer de ne plus faire les lits, c'est de faire les lits de la maison. Mais le propre lit de son mari, alors là, il y a aussi quelques petites nuances entre faire l'essentiel et puis après mettre le drap au-dessus. Le drap du dessus, c'est le dvarim shel chiba, c'est quelque chose que quand une femme elle fait pour son mari, le mari il sent que c'est en ça que c'est sa femme. Si c'est une étrangère qui va lui rentrer dans la chambre, qui va commencer à lui faire son truc, elle sent que c'est pas quelque chose de pas... D'accord, des choses qui sont dvarim shel chiba. Donc c'est lui faire, d'une part, lui faire son... finir le lit, ça c'est là le devoir de le faire, c'est toujours dans toute situation, et même aussi lui servir à boire aux egetlotakos, et aussi l'histoire de Rochetset Penaveda Veraglav, quand il rentre du travail, lui apporter une bassine avec de l'eau chaude, qui puisse se lever le visage, se laver les mains, se laver les pieds, c'est des choses que c'est des choses de vrai Michel Chiba, qui sont entre un homme et une femme, que c'est pas une étrangère qui doit le faire, elle aura toujours le devoir de le faire. Mais donc, du coup, même quand elle fait rentrer les quatre servantes, là, elle a quand même le devoir, les trois servantes, elle a quand même le devoir de faire ces choses-là. Et ce qu'on a dit qu'elle ne devra plus faire les lits, c'est faire les lits de la maison, ou bien c'est, vous savez, quand on fait le lit, il y a faire le lit pour l'arranger, mais soudain, mais aussi faire le lit, retirer les draps, les secouer. Alors ça, elle n'a plus le devoir de le faire, c'est des travaux trop compliqués. Mais le minimum pour la finition du lit, elle a l'obligation de le faire. Arba, maintenant, si elle fait rentrer quatre servantes, alors là, c'est la grosse fille de Rothschild, qui ne sait même pas, son seul souci, c'est les ongles, et voilà. Yoshevet ba cathédrale peut s'asseoir tranquillement toute la journée sur son fauteuil, attendre que la vie passe, je ne comprends pas l'intérêt, mais en tout cas, si ça l'intéresse, elle n'a plus aucun devoir, elle a fait entrer quatre servantes, elles sont là pour tout gérer, elle est assise tranquillement toute la journée, et voilà. Elle n'a plus de devoir de faire aucun devoir, si ce n'est les trois devoirs qu'on a dit, les trois choses, de finir le lit, de laver les mains et pieds de son mari, et puis de servir son propre verre. D'accord? Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, pense que Afilou Ichni Salomé, je sais pas quand même, c'est rentré sans servante. Kofa, la sotte batsemer, le mari, la forcera sa femme à tricoter. Pourquoi? Shabbatala mevia l'idée zima. Parce que ne rien faire, c'est la porte ouverte pour la zima, pour toutes sortes de dévergondages, à coup sûr. Yetzer lev adam ra minéorav, l'homme naturellement, il a un yetzer ara, et la femme elle a aussi naturellement un yetzer ara, ce qui nous empêche de sombrer dans notre yetzer ara, c'est tout simplement parce qu'on a des occupations, imaginez quelqu'un qui n'a rien à faire, toute sa vie c'est de la glandouille et penser, c'est sûr que au bout du compte, ouais, comme un champ en friche, ça fait pousser des ronces, on laisse un homme en train de rien faire, ou une femme en train de rien faire, ça va finir à faire des graves bêtises de pritsout, de tsniout, toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas faire. Donc du coup, l'homme lui dit, je ne laisse pas ma femme sans rien, je veux qu'elle fasse quand même un petit travail de laine.
au moins un petit quelque chose, qu'elle tricote, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle fasse pas rien. Parce qu'une femme qui fait rien, c'est un danger qu'elle va. Une femme ou un mari, un homme, c'est la même chose, mais en tout cas, donc du coup, même si elle a fait rentrer sans servante, elle a l'obligation de travailler un strict minimum, de faire quelque chose, de ne pas rester sans rien faire. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Af amadir et tishto mila asot melachamem, le mari qui va interdire à sa femme de faire aucun travail. D'accord? Il y a toutes sortes de techniques qu'on expliquera plus tard, comme un mari, c'était fréquent avec les interdits de Nedarim, les vœux, que si toutefois tu vas faire ça, je t'interdis de manger, de toucher quoi que ce soit, de manger chez moi. Donc du coup, en fait, quelqu'un, il veut bloquer sa femme, qu'elle travaille plus rien. Donc il est consentant cette fois-ci, c'est lui qui lui demande de ne plus rien faire. Eh bien, malgré tout, s'il fait le neder, qu'il interdit sa femme de faire quoi que ce soit, Yotzi Veiten Ktuba, il est obligé de divorcer sa femme, il ne pourra pas la laisser telle qu'elle. Pourquoi ? Shabbatala Mevia les Deshimum, car une femme qui ne fait rien, ou un homme qui ne fait rien, Mevia les Deshimum, il va arriver à un ennui jusqu'à perdre la boule. Il va devenir un peu dingo. Quelqu'un qui ne fait rien, il s'ennuie, il manque d'occupation et devient le pauvre. Malheureusement, et à force de trop parler, à force de. Il perd son sechel, et donc la femme, c'est la même chose. Alors là, on va un petit peu insister sur une différence entre les deux avis, qui sont Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Eliezer. Chacun, il a avancé une cause différente, pourquoi une femme, elle doit nécessairement travailler. Selon Rabbi Eliezer, le mari, il peut imposer à sa femme de faire au moins un strict minimum, parce que sinon, elle va se dévergonder, dans le sens, c'est pas qu'elle va devenir bête, elle va devenir vicieuse et faire des choses pas bien. Tandis que selon Rabban Shimon ben Gamliel, le problème, c'est qu'elle va perdre la tête, elle va perdre la raison. Quelqu'un qui fait rien, il perd la raison. Et de ce fait, il y a la différence. Et de ce fait, même quand le mari est consentant, selon Rabbi Eliezer, c'est le mari qui se soucie, je ne veux pas laisser ma femme sans rien, parce que sinon, donc si du coup, selon Rabbi Eliezer, je peux par contre interdire ma femme de travailler. Ouais, je ne crains pas qu'elle va se dévergonder, moi je fais attention, je l'enferme bien à la maison. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, la femme a le droit de lui dire tu m'interdis pas de faire quoi que ce soit, j'ai le droit de faire quelque chose, parce que une femme qui ne travaille pas, elle va perdre la tête. La grande nafkamina entre les deux, ce sera que si toutefois la femme, elle, c'est pas qu'elle fait rien, c'est qu'elle a quand même quoi faire, elle joue aux cartes toute la journée. Selon le Batalame, celui qui fait rien, il perd la tête, là elle perd pas la tête, elle est en train de jouer toute la journée. Malgré tout, on craint que quelqu'un qui n'a pas de hall, quelqu'un qui n'a pas de joug, de responsabilité assumée, on craint que 200-200, il va sombrer dans la zima. Alors là, ça fera la différence que selon Rabbi Eliezer, dans ce cas-là, elle est encore ouverte à la dévergondage, tandis que d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'y a plus de crainte qu'elle va perdre la tête, ça fera quelques 9 minutes. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.